Je voudrais ici, elle a même mentionné la personne qui vient de mourir en Chine dans un camp. Vous avez vu peut-être que le quotidien Libération a fait une très belle enquête sur cette personne qui s'appelle Mirai Erkin. C'est une chercheuse d'origine ouïghour qui était réfugiée, enfin qui habitait au Japon, 29 ans. Et qui est en effet la nièce d'un chercheur ouïghour très connu qui est réfugié en Norvège. Et elle a reçu, comme tant d'autres ouïghours, des messages inquiétants de sa famille, lui disant « il faut absolument que tu reviennes nous voir, il y a des papiers ou je ne sais pas quoi », c'était assez confus. Et finalement, tout en sachant elle-même qu'elle s'embarquait dans quelque chose de terrible, elle est partie du Japon, elle a pris l'avion pour retourner en Chine. De l'aéroport de Tokyo, elle a pris contact avec son oncle, qui est donc un dirigeant du mouvement ouïghour réfugié en Norvège, lequel l'a supplié de ne pas y aller, en lui disant « tu sais ce qui va se passer ». Et elle lui a répondu d'une manière, je ne sais pas si c'est du fatalisme ou quoi, en disant « c'est ma destinée, je ne peux pas être loin de mes parents ». Et si jamais je disparais, c'est terrible quand on le raconte, je voudrais qu'il y ait des pivoines rouges sur ma tombe. Tout ça est raconté en détail dans Libération. Et donc, elle est retournée en Chine. Elle est rentrée chez ses parents, elle a senti qu'il se passait des choses terribles. Elle a fui de l'autre côté du pays, en Chine même. Et là-bas, les envoyés spéciaux de la police sont venus la chercher, puis elle s'est réfugiée dans un hôpital. Enfin bon, c'était une fuite désespérée. Et finalement, elle a été internée dans un camp et elle est décédée. Donc elle est arrivée en Chine le 18 juin 2019 et elle est décédée le 20 décembre 2020 au centre de détention de Yanbulak, près de Kashgar. Et elle demandait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un bouquet de pivoine rouge sur sa tombe, puisqu'elle savait en quelque sorte ce qui allait lui arriver. Donc on peut penser à elle. Et son attitude et la dénonciation de cela contrastent quand même beaucoup avec, il a été fait mention des complicités ici. Il y a une complicité qui est quand même très importante, et un lobbyisme extrêmement important. D'ailleurs, il faudrait que toutes les organisations, associations aillent là-dessus, pas juste sur la Chine, et je conclue, mais aussi sur les relais en France. C'est notamment la firme téléphonique Huawei qui recrute à tour de bras des lobbyistes, des influenceurs, des hommes politiques de tous les camps, de la droite, certains qui se réclamaient de la gauche, comme M. Jean-Marie Le Guen, ancien secrétaire d'État, qui siège maintenant au conseil d'administration de Huawei et qui prétend qu'il n'y a aucun problème. Et à l'inverse, et je conclurai là-dessus, un groupe de mathématiciens mené par Michel Brouet, le grand combattant des libres en Russie, a demandé que les mathématiciens refusent d'aller travailler dans le centre mathématique que la firme Huawei a ouvert dans le 7e arrondissement, le centre Lagrange, financé par la firme chinoise, compte tenu de son rôle dans la répression des Ouïghours. Je crois qu'on peut saluer cette démarche de ces scientifiques et mathématiciens et physiciens qui appellent à ce boycott. Et je termine par un seul mot. Dans les soutiens de Huawei, il y a un député de Charente, Jérôme Lambert. Ce Jérôme Lambert, son nom me disait quelque chose. Je regarde vite fait, et cet homme-là, c'était aussi un des lobbyistes de Bachar el-Assad. Il a été en voyage en Syrie en 2015 et il a attaqué violemment à l'époque Hollande sur la politique à l'égard de la Syrie. Et donc on retrouve un peu des personnages comme ça qui sont prêts à se vendre au plus offrant, comme Thierry Mariani, tête de liste du RN. Au revoir. Borloo, bien sûr, Borloo, Le Guen, tous ces gens-là qui sont prêts à se vendre au plus offrant pour
leurs bénéfices et qui écrasent sous leur lobbyisme le sang qui coule en Chine actuellement. Merci.